والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ونسنجو على ننتمتما وندوا وربا ومن بيام بي صلى الله عليه وسلم ونو ماما غسير ولسا وربي سودي كوتوريتي فانا ولسا ونو ما ديبارتمان ولسا سكرتيريا افير ليسيس انو نغي برين كونتريبيغي ام لي في ماسا بريس ناسيونال ما سي بيغبي نان فالا في اون نغان نوندي خوريرا هيجي بار دنگا فانيرا دان لي بون كونديسيون فانيرا هنا ميماني مغي بار رامني بيتير بيغوروي مغو مرامني لوغو كيريم هان خورو مغو تانا سابي نادي بالام مغو سابي ران Munna hôtel de Nere Diafa hôtel de 1600 pèlerins nanunana Daru Baraka 400 pèlerins nanunana anu yirebete mbiri mura mini sese mouto deuxième moment que sese manqué mona biri mela gine bene abara mi gera mini na tu ki mame se ko na fa alhamdullah bar da nga fanyira o mara ala fa o mara biri na wali sala se mona nan ko la kor mba ini wali mona ri de bonne ri mona ri de bonne ri On peut? Oui. Vas-y. Bonjour. Vous venez de rentrer fraîchement dans la Mecque. Dites-nous comment ça devient le prélèvement de cette année. Alhamdulillah Rabbil Alamin, grâce à Dieu, les derniers convois de 8000 pèlerins qui étaient quittés ici sont arrivés ce matin à Conakry. En 28 convois. Grâce à Dieu, tout est passé là-bas en ce qui concerne l'exécution des rites du pèlerinage. Tout est passé en bonne condition. Ok, selon les ondes dites, ce qui se raconte ici, que les pèlerins guinéens ont rencontré assez de difficultés. Qu'en dites-vous? Je ne peux pas commencer à nier ça parce que chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais d'abord, je veux attirer l'attention des uns et des autres que le voyage de pèlerinage, ce n'est pas comme tous les voyages. C'est les voyages de pèlerinage. De pardon, de demander du pardon à Dieu depuis 18 ans jusqu'à ton âge, de pardonner tes péchés. Alors ça là, même théoriquement, on ne peut pas faire ça. Si c'est le vrai pèlerinage et accepté et exaucé de Dieu, on ne peut pas faire ça. Nous, on avait observé ça pendant 30 ans comme ça. Alors chaque année, il y a des défis, mais l'essentiel, c'est pour effectuer le pèlerinage comme Dieu a voulu. Ok, comment vous pouvez répondre aux gens qui disaient que les pèlerins ont négocié leur billet de retour? Ah, non, on n'a pas suivi ça. On sait depuis le départ, c'est comment ça là. On n'a pas suivi ça. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant à la population guinéenne? Quelle assurance donnez-vous? C'est l'assurance que vous allez donner à la population pour ne pas qu'elle puisse rater lors du pèlerinage. Maintenant, je passe la parole à monsieur le président de la commission de l'organisation du pèlerinage. Alors, il va commencer. Et là, bonsoir et bonjour. Bonjour à tous. Et vous venez fraîchement de la Mecque. Et lorsqu'on était en Guinée, du coup, on dit qu'il y a eu assez de ratés. Il y a certains même qui ont accusé les gens. Alors, quelle assurance allez-vous donner à la population, aux pèlerins, pour ne pas qu'il y ait des ratés l'année prochaine? Parlez déjà d'assurance par rapport aux ratés de l'année prochaine. C'est très prématuré. Nous avons tiré toutes les leçons, comme cela est d'habitude d'ailleurs. Après chaque activité, une
personnes morales ou physiques, on tire les leçons et on essaye d'améliorer. Dernier, ce que je vais vous dire, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est regrettable parce que nous-mêmes, nous recevions des échos. Nous recevions des échos que des Guinéens puissent souhaiter. Je vais dire bien, puissent souhaiter parce que ce n'était pas de la réalité. On a entendu que les Guinéens sont dehors, dans la rue, qui vivent de quémandises. On a entendu, vous l'avez dit tout à l'heure, que les gens ont négocié des biens pour venir. C'est l'Éthiopien qui a ramené les derniers convois. Le dernier convoi, c'est quoi? C'est un convoi de ramassage. Quand vous arrivez, c'est un homme malade là-bas. Ils sont hospitalisés. D'autres sont égarés. D'autres n'ont pas fait tous les rites. D'autres ont des papiers, des problèmes de papiers. Souvent, les passeports sont égarés. Ils ont égaré leurs documents, etc., etc. Il arrive que le dernier convoi ramasse tous ces gens pour rentrer. Donc, c'est pour cela que tout le monde devrait être là depuis le 21. Mais à notre demande, on a décalé de 72 heures l'arrivée du dernier convoi pour nous permettre de remplir les formalités pour ceux qui étaient en situation difficile, d'aller négocier avec les médecins pour les malades qui étaient à l'hôpital. Les laissant là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Qui va s'occuper d'eux? C'est ça notre responsabilité. Aucun pèlerin n'a été dehors. Aucun pèlerin n'a eu problème de manger. Il peut dire sur 8000, je vais vous rappeler encore que c'était 8000 pèlerins. Sur 8000, vous pouvez avoir une centaine de pèlerins qui ont des difficultés. Mais nous étions à côté d'eux pour être là dès qu'on est informé pour les soulager. Maintenant que les gens disent ce qu'ils pensent, c'est leur droit. Mais je pense on était là, il y avait le signal, il y avait les agents. Si quelqu'un peut venir publiquement dire voilà tel agent, ou bien voilà tel pèlerin qui a été dans la rue ou qui n'a pas mangé parce qu'on n'a pas envoyé à manger, certainement le groupe ne peut pas convenir à certaines personnes. Parce que ce qui est fait, c'est un repas commun. Certains sont en régime. D'autres, certains viennent de la forêt, d'autres viennent de la moyenne Guinée, d'autres viennent de la haute Guinée, n'ont pas les mêmes régimes alimentaires. Ces problèmes-là se posent souvent. Donc, mec, de là à dire qu'il y a eu des difficultés, certes, dans toute action humaine, il y a des difficultés. On était là-bas pour résoudre ces difficultés et éviter que ces difficultés n'arrivent les prochaines fois. Donc, je pense que nous donnerons le temps de tirer toutes les leçons et je pense qu'on aura d'autres occasions d'aller dans le détail dans certains événements. Mais soyez rassurés, il n'y a pas eu de graves situations. Et combien sont revenus aujourd'hui? 314 passagers à bord, dont près de 200 et quelques pèlerins. Une centaine d'encadrements des agences privées, du cigare, tout le monde. Donc c'est le dernier qu'on voit, après ça il n'y a plus de voile pour le match 2010. Il y a eu des décès. Oui, il peut donc le nombre. Il y a dans notre constance, il y a 12. Il y a eu 12 décès sur les 8. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire, là aussi ça fera partie des leçons à tirer, c'est que la Guinée aujourd'hui, on amène beaucoup de gens malades au Hajj. On amène beaucoup de gens fatigués. Le Hajj est une épreuve dure, même pour les jeunes, même pour ceux qui sont en forme. À plus forte raison, quand vous amenez des parents fatigués, les vieilles personnes sont là, ils seront vous dire ce qu'ils ont vécu là-bas. Et tout ça, ça fait partie de notre travail. Le Hajj, vous ne pouvez pas comprendre quand vous n'y allez pas. Il faut y être pour comprendre ce qui se passe. Quand vous avez 5 millions de personnes regroupées au même endroit, nous sommes 8 millions, alors il y a des égarements. Certains, c'est la première fois qu'ils sortent du village pour aller directement à l'extérieur. C'est pas facile à gérer. Et rappelez-nous votre nom. Votre nom. Moi, c'est Assouane Kone, ministre d'État, président de la Commission nationale d'appui à l'organisation du pays. Merci beaucoup. Merci. Bien. Merci. Non, je confirme. Je ne peux pas confirmer. Certains peuvent souffrir un jour ou deux jours. Mais d'autres peuvent venir le même jour. Donc c'est comme ça le pays. Et il y a des gens qui ont raconté comme quoi que des gens auraient été embarqués à la place d'autres. Il y a eu une substitution. Non, je n'ai pas connaissance de ça. Vous savez, parce que c'est un peu compliqué, hein, la programmation là. Par exemple, quelqu'un peut être programmé s'il tombe malade, il faut bien qu'on le remplace. Ou bien s'il a des aléas, ou bien s'il fait un retard, il faut bien qu'on le remplace. Donc il y a beaucoup de cas comme ça de ce genre. Ce sont les cas de ce genre que les gens expliquent. Et beaucoup ont dénoncé une sélection des pèlerins pour le retour. Oui, mais au niveau de qui? Au niveau des organisateurs. Non, vous dites, non, au niveau des agences, vous dites au niveau d'où? Au niveau des organisateurs, quand je dis des organisateurs, c'est les agences, c'est les autorités aussi. Je dis, qu'on privilégie certains à la place d'autres. Des tri pour envoyer certains qui sont à la place d'autres. Là, je ne vois pas ce tri au niveau des agences.
Mais je sais qu'il y avait une chronologie que moi-même j'avais adoptée en fonction du versement des agences. Toutes les agences qui ont versé, vraiment, elles sont venues les premières. Quel genre de difficultés vous avez rencontrées autour de ces pèlerinages-là, de cette année? Non, les difficultés réelles que nous avons rencontrées, c'est au niveau de l'avionneur. C'est-à-dire la programmation que l'avionneur nous donnait, ça poussait. Les horaires n'étaient pas respectés. Des fois, le programme lui-même qu'il a donné n'était pas respecté. Donc là, c'est la faute à la compagnie? Oui, la compagnie éthiopienne. Parce que nous faisons nos programmes en fonction de ce que le programme général que la compagnie nous donne. Mais si elle force le programme, sachez que tout le processus force. Après, nous allons commencer. Vous occupez quel poste? Je suis le secrétaire administratif de l'Union nationale des agences pour le En même temps, j'ai été le coordinateur général des agences pour cette année, pour l'exercice 2018. Merci.